Amis internautes, salut. Aujourd'hui, à travers Haïti Histoire, une note explicative sur l'arrivée de Nord-Alexis au pouvoir. Bonne audition. Après que président Tirésias Simon Sam était chassé du pouvoir le 12 mai 1902, jeune politicienne noire était plongé pays dans une véritable guerre civile. Cependant, après plusieurs mois de turbulence, en raison de l'absence de pouvoir politique là, un gouvernement provisoire dont faisait partie le général Nord-Alexis, de son nom complet Nord-Pierre-Alexis, était vite formé pour assurer l'ordre et organiser des élections libres et honnêtes dans le pays. Immédiatement, plusieurs citoyens de grand calibre étaient portés candidats à la présidence. Parmi les citoyens, il y a eu Anténor Firmin, Calistène Fouchard, Pierre, Mon Plaisir, Pierre. En fait, dans trois candidats influents, l'histoire dit non, Anténor Firmin a eu toute chance pour accéder à la présidence du pays. Firmin a eu un pile mon avel pour la plupart, jeunesse pays et aussi l'élite intellectuelle tant noire que mulatte là. Tout le monde s'est levé campé dans quatre coins pays pour porter Firmin au pouvoir. Or, c'est presque tout pays même qui a tant de figures de poussa à la première magistrature de l'État. Le moment te paraît tout à fait propice, favorable pour Firmin. C'est comme si dirait, pas de rien qui te ka empêché Firmin élu président pays. D'ailleurs, pas de yon nan adversaire lio qui te ka campé devant. Firmin te dépassé M. Sayo de 1000 coudées à la fois quantitativement et qualitativement. Et dans le moment que nous parlons de Lila, Eve Firmin t'a suivi de près. Côté monsieur t'es à peine sous fait un gros travail au bénéfice pays, pendant qu'il était ministre des Finances sur le gouvernement Florville Hippolyte là. Bonjour, Anténor Firmin t'a imposé l'ordre et l'honnêteté dans l'administration fiscale pays. Il t'a combattu sérieusement la contrebande. Dans le moment où Tineg t'a pillé pays, Tineg t'a riche bonnet, commerçant t'a fait ça ouvler, tandis que monsieur le peuple pas de quoi manger, pays sans économie, Anténor Firmin, au péril de sa vie, t'a changé un peu tout bagaille ça. Non seulement ça, Anténor Firmin te fait empêcher monsieur américain yo fait d'appuyant sur le môle Saint-Nicolas avec constitution pays. En mai, eh bien, monsieur te défend du bec et des ongles la cession du môle. Or, si môle Saint-Nicolas rete jounen jodi a propriété privée pays d'Haïti, faut pas jamais oublier ça. C'est grâce à Anténor Firmin. Anténor Firmin a réellement joué un rôle important dans ce sens-là. Or, tout bagay sa yo fait à Firmin une réputation bien méritée d'administrateur intègre, de nationaliste populiste. Fort de tout travail sa yo, ennemi de l'audio te peur l'arrivée d'un tel homme au pouvoir. Et militaires de leur côté, pourquoi te décider de céder à la torche? Les affaires pour un civil, une espèce de civil, comme militaire t'es toujours dit, t'es accédé à la présidence, c'est oublié ça. Qui donc, nous carrément que ennemi firmé yo, t'es en pile, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Firmé t'es réellement ciblé. Et les ennemis sa yo, t'es remarqué tout bon vrai,
que Firmin pral président pays hier, yo te fond en un tour. Monsieur Sao te remis ciel et terre avec immense fortune yo, gros magogro yo, pour yo te baril la route. Et yo gade en haut, yo gade en bas. Ennemi yo, pa wè yon, parmi l'autre candidat yo, qui ka contre Carré Firmin, yo mande général Noël Alexis, qui te yon membre conseil électoral provisoire, pour le porter le candidat à la présidence. Vraiment, à l'approche des élections, non Alexis t'est laissé gouvernement provisoire et soumettre officiellement candidature à la présidence du pays. Immédiatement, pays vient sur tant coup du feu. Partout, c'est la perturbation, le trouble, la division et même au sein de la mer. Tellement vrai, des généraux de haut rang, les Albert Salnave, les Kilik, les Jean Jumeau, yo même yo te boudé candidature non Alexisa et yo te bay tout appui yo à Antenor Firmin. Mais hélas, c'était pour propre malheur. Comme ça, non Alexis te mené sans coup férir à travers pays des opérations électorales mano militari. Non Alexis distribué massivement de l'argent dans mitan la mer et à travers des bandes armées, spécialement dans le nord, côté bandes sa yo te fusillé de nombreux partisans et sympathisants de Firmin, et yo te même arrivé causer un pile dégâts sur maison privée monsieur au Cap Haïtien. N'était-ce amiral Kilik fondu café Antenor Firmin ce jour-là tap coulerma. Pour cause, amiral Kilik te péri dans des conditions inhumaines et Firmin lui-même t'es obligé de gagner le maquis, t'es parti quitter le pays. En ce moment-là, Alexis t'a gagné le champ libre, il a organisé les troupes dans le nord et rentré sans danger à redouter dans la capitale-là le 17 décembre 1902, côté où t'es proclamé le président du pays. Le même mois, soit le 21 décembre, non Alexis t'est élu président par Assemblée nationale pays. Il est ça, non Alexis t'est âgé de 86 ans. Cependant, à cause de son vieillage, Boss Lio t'est fait de lui un président de doublure, un fantôme de président, c'est-à-dire apparence non la réalité. Mais pour ce qui concerne les firministes, non Alexis pas tenant jouer du tout. Pour la moindre chose, président non Alexis te prend des mesures drastiques contre yo, réprimé yo par de grandes cruautés, arrêté yo, jugé yo le plus souvent sur des accusations non fondées, condamné yo, exécuté yo. Dans ce sens-là, en pile gourneg, en pile savé la plime, des victimes sur tyrannie non Alexia, et parmi gourneg sa yo, nous pas oublier le poète Massillon Coicourt, ses deux autres frères et le général Jean Jumeau. Et après la mort de Coicourt, en pile citoyen honnête de grands intellectuels, t'es couru quitter pays. Et c'est là nous tombé d'accord avec un écrivain qui t'a fait quoi que l'origine du pouvoir détermine la nature du pouvoir. Vraiment, non Alexis t'est excédé pour voile et il partageait du tout avec une prudence réfléchie. Mais en dépit de tout, l'histoire t'a fait croire que non Alexis, c'est un homme de la trempe. Par le seul fait que on s'était rentré dans la cour Gonaïve le 1er janvier 1904 pour le tal célébrer au prix de l'homme sacrifice le centenaire de l'indépendance du pays. Car c'est pas ton bagage qui était facile du tout pour lui. Et nous-mêmes, génération ça, nous vivons 2004. Nous, ouais, et nous qu'à comprendre pour qui sa célébration, ça a toujours passé comme ça. Célébration ou pas, monsieur le peuple, pas de jambe dans ses collés avec président Noël Alexis pour tout tol t'es fait à nation. Comme nous sommes dit, Noël Alexis t'es fait arrêter, emprisonner, exécuter. M'sieur te fait un pile cerveau courir quitter pays. En fait,
Ça fait homme éclairé, hein? Non, Alexis, pas le vrai type de personnage ça ou du tout. Monsieur Sayo, t'es réellement ciblé. Mais qu'héritage, chef d'État Sayo, quitté pour pays, hein? Un héritage tout à fait empoisonné. Comme nous, Alexis, c'était un ancien général. À tout pouvoir, t'es gagné. Il était pensé qu'il t'en racine courée. Ol te ka fè sal pipito nan peyi a. Et pourtant, le pouvoir est à la fois limité et triste. Nou se bat comme ça. Konsa nan bat kol, li te fè révoquer Antoine Simon, le puissant délégué du Sud. Yon révocation que Simon te boude sérieusement et rapido prestol, te fè marcher troupe li yo contre Port-au-Prince et contre nou Alexis à démissionner et partir pour l'exil à destination de la Jamaïque. Quelques temps après, soit le 1er mai 1910, non Alexis, depuis Kingston, te fait voile pour pays sans chapeau. Comme monsieur était rapatrié et enterré à Port-au-Prince. Laissa non Alexis était âgé de 90 ans révolu. Enfin, il convient de noter que non Alexis, c'est l'homme le plus vieux qui passait au pouvoir. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre aimable attention. Fritz Oba, allez.